Salut à tous les amis, alors là je me trouve sur ce qu'on peut appeler le secteur fortifié de la forêt de Mormal, et là je vais vous présenter une casemate avec quelques particularités. Mais avant cela, il est bon de préciser que les 13 casemates que je vais vous présenter font partie du secteur fortifié de Maubeuge, et plus précisément dans le sous-secteur du Hainaut. Nous allons rentrer dans la casemate, et pour ceux qui se demandent, ce trou-là servait à faire dépasser une mitrailleuse, un fusil mitrailleur. C'est un abri pour chauve-souris et il est ouvert celui-là, c'est plutôt étonnant. Cette casemate, qui est la première des 13, est la seule à disposer d'une cloche à mitrailleuse jumelée, modifiée arme mixte. En 1940, seule une dizaine de ces cloches ont été modifiées sur toute la ligne Maginot. Donc ici, la cloche GFM de type A modifiée B. Ça veut dire que chaque embrasure a été renforcée. Mais contrairement à la cloche de type B, elle n'est pas protégée contre l'effet mécanique d'Hopkinson. Expliqué rapidement, l'effet mécanique d'Hopkinson est le passage de l'onde de choc d'un projectile à travers la masse, se concentrant jusqu'à former un petit ménisque pouvant tuer net un soldat. Bon, là on voit bien l'emplacement du canon anti-char. Que le rail, là où était suspendu le canon, a été coupé. Cette casemate, appelée C16 Gomuni West, ne dispose que d'un seul créneau pour mitrailleuse jumelée et canon anti-char, 47 mm. Donc, comme toutes les casemates du secteur, elles étaient autonomes en eau. Elles disposaient tous d'un puits. Support du groupe électrogène. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est l'emplacement de la cloche à arme mixte. Le 21 mai 1940, les Panzers font feu et l'infanterie coiffe la casemate. Après plusieurs heures de combat, l'équipage se rend. Qui ont pris forme. Donc voilà. Elle est bien différente des autres. Donc on voit les ancrages ici. On ne voit plus très bien. On voit bien l'embrasure. Avec un impact. À une centaine de mètres se trouve sa jumelle, C-17 Gomuni Est. Le tas de rocailles à l'avant de la casemate, côté ennemi, n'existe plus. Toutes ces casemates visent à fortifier tout le secteur de la forêt de Mormal, afin d'empêcher l'ennemi de s'y abriter et d'effectuer des attaques dissimulées. Ici, vous pouvez apercevoir plusieurs crochets. Ça servait à tendre un filet de camouflage afin de camoufler les organes de tir. Entre 1 et 2 km de là, qui est la distance théorique entre les casemates, se trouve la casemate C-18, le Cheval Blanc, située en face de la chaussée Brunéo, à la bordure de la forêt de Mormal. On peut y voir plusieurs impacts et des ogives plantées de PAC 36 ou du calibre équivalent pour Panzer III.
Au pied de cette cloche, on peut y voir un reste de cerclage en acier qui servait à tendre un filet de camouflage. On y voit bien les créneaux renforcés, typiques des cloches GFM de type A transformées B. L'entièreté des fortifications le long de la frontière belge font partie de la ligne Maginot étendue. Plus d'informations dans les prochaines vidéos.